Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui elle va être dédiée à Golden. Nous allons un peu parler de ma petite chérie, savoir comment elle va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je prévois pour elle, car vous avez sûrement dû voir dans mon qui des trois, j'avais parlé un peu d'elle comme quoi j'arrivais pas à la cerner et tout, donc j'ai voulu un peu vous parler de ça parce que vous avez été quelques-uns à me poser des petites questions sur elle, à m'avoir proposé des choses et tout, donc voilà, on va parler un peu d'elle aujourd'hui, donc c'est parti. Donc Golden, je suis allée la chercher l'année dernière, le 16 juillet. Donc là, on est quand même, on arrive en avril. Et il y a eu quelques petits changements, mais je peux pas dire qu'ils sont flagrants en fait. J'ai l'œil qui pleure, c'est horrible. Je déteste ça. Je disais que ça fait bientôt un an. Bon, il reste encore 3-4 mois avant que ça fasse un an. Mais j'ai pas constaté de réel changement vraiment typique sur elle. Et c'est ce qui me déstabilise un peu en ce moment. Car avec les deux autres, Bilbao a été très compliqué quand je l'ai eu. J'étais très jeune à ce moment-là. Mais j'étais arrivée en quelques mois à vraiment créer un lien avec lui. Or, avec Golden, c'est pas que je n'y arrive pas, ce n'est pas que je n'en ai pas, mais il y a beaucoup de bas par rapport à des hauts en ce moment. Et ça me déstabilise beaucoup et ça me frustre aussi. Après, Golden, on m'avait prévenu, c'est une ponette qui est un peu Mustang, entre guillemets, qui est assez sauvage. Or, elle n'est pas sauvage méchant en fait, mais elle fuit. Elle fuit l'homme, elle n'aime pas. Après, c'est surtout quand on ramène le licol. Le licol la fait paniquer. Or, je ne comprends pas pourquoi. Même à l'élevage, elle n'a pas été maltraitée. Les poneys là-bas ne sont strictement pas maltraités. Ils ont justement une très belle vie. Ils ont des hectares et des hectares pour s'épanouir tout au long de la journée. Et ça, je ne comprends pas pourquoi elle fuit. Et c'est en fait, c'est de la peur. C'est vraiment de la peur, ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste que elle fuit par peur. Même des fois quand j'arrive à l'attraper, c'est vraiment, elle se crispe sur elle-même en fait. C'est vraiment de la peur. Je sais pas pourquoi en fait. J'ai essayé un peu de travailler ça. Bon, j'ai eu des périodes où je m'en suis un peu moins occupée entre guillemets, où je les nourrissais, je les nettoyais, mais je n'avais pas de travail fixe avec eux. Du coup, elle a passé vraiment tout l'été, et tout l'automne et l'hiver, entre guillemets, sans gros travail. Je pense que c'est ça qui a joué contre moi, parce que du coup, là, on arrive au printemps, j'ai envie de redémarrer le travail, mais du coup, on est comme au point de départ, c'est comme si je l'avais acheté seulement maintenant. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal en ce moment, ça pèse un peu sur mon moral. Après, je sais qu'on m'a beaucoup demandé si je ne regrettais pas Golden. Alors, en aucun cas, je regrette Golden. Golden, je l'ai vue, je suis tombée amoureuse d'elle, je l'ai voulu. Je regrette seulement, par rapport à moi, de ne pas avoir fait le nécessaire dès le début, en fait, ne pas avoir travaillé régulièrement avec elle pour la désensibiliser, vraiment pour arriver à l'attraper. En fait, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Elle n'a strictement rien fait. Elle était comme ça de base, donc c'était à moi de la travailler. Je ne l'ai pas fait. Du coup, j'en paye les conséquences. Mais comme je dis, en aucun cas je la regrette. En aucun cas je la laisserai partir d'ici. Elle fait partie de la famille. Elle fait partie de moi. Voilà, c'est mes trois loulous. Elle lui fait partie. Donc en aucun cas j'envisage de la laisser. Beaucoup m'ont également parlé de faire une communication animale avec Golden. Alors, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais on me dit, tu peux pas trop te faire un avis tant que tu n'as pas testé. Or, une communication animale, ça coûte de l'argent. Or, moi, ne travaillant pas, j'ai un budget qui permet d'entretenir mes poneys normalement, sans qu'ils aient de problème, voilà, les entretenir correctement, mais je n'ai pas forcément l'argent pour faire des choses à part. Je ne veux pas dire que la communication animale est pas nécessaire, elle est nécessaire, mais elle n'est pas obligatoire. C'est pas parce que tu fais pas une communication animale à ton poney, à ton chien, à n'importe quel animal, que voilà, ça va jouer sur sa vie. Il y en a plein qui n'ont jamais eu de communication animale et ils vivent totalement normalement.
Donc voilà, actuellement je ne peux pas me permettre et voilà, pour l'instant j'ai vraiment envie d'essayer moi-même de la comprendre et tout. Peut-être plus tard, on sait jamais, si vraiment je vois que ça persiste avec Golden, que je n'arrive strictement pas à la comprendre et que le travail n'avance pas. Mais là actuellement non, je ne veux pas envisager ça. En ce moment, bah voilà, je suis en pleine réflexion de comment je vais pouvoir me débrouiller pour travailler avec elle. Mais déjà le premier truc, arriver à l'approcher et à la prendre en licole dans le parc, ça c'est le truc le pire en fait, parce que une fois qu'elle est attrapée, certes elle a un peu peur, mais j'arrive à la nettoyer, je la fais un peu marcher et tout, on arrive entre guillemets à faire quelque chose de plutôt structuré. Mais c'est le fait, en fait, l'étape de arriver et l'attraper qui est la pire galère en fait. Elle ne veut pas, elle s'échappe, et une fois qu'elle a peur, c'est foutu. Encore si j'arrive lentement, ok, elle se laisse, mais dès que je fais un geste trop brusque, elle part au galop et c'est fini en fait. Et je suis obligée de la bloquer pour pouvoir l'attraper. Donc moi, qu'est-ce que je fais le matin pour pouvoir m'en occuper sans trop l'énerver, vu que lorsque je vais les nourrir, Gossip et Golden, je les enferme dans le box. Du coup, quand elles ont terminé, bah du coup Golden est bloquée au niveau du box, donc je peux l'attraper beaucoup plus facilement et c'est là que je m'en occupe en fait. Donc moi j'ai que le matin pour m'en occuper, parce qu'en ce moment j'ai arrêté de les nourrir le soir parce que c'était beaucoup trop complexe, parce que Golden à un moment ne voulait plus rentrer dans le box. Dès qu'il faisait nuit noire, elle ne voulait plus, donc elle ne se nourrissait plus, donc elle avait plus la quantité nécessaire de granulés, donc j'ai dû seulement la nourrir le matin. Donc voilà, du coup c'était que le matin que j'avais la possibilité de la nettoyer et tout. Donc j'ai fait ça pendant tout l'hiver en fait, hein. C'était un peu complexe parce qu'au niveau des cours, bah, je suis plus disponible le soir parce que je rentre que le matin. Le matin je suis assez limitée niveau temps entre me préparer, déjeuner, aller les nourrir et du coup essayer un peu de la nettoyer elle. Donc ça a été vraiment très compliqué. Mais là, je vais bientôt avoir mes vacances. Je vais avoir les vacances d'avril. Donc je vais pouvoir commencer un peu le travail avec elle. Et mi-mai, j'ai terminé mes examens. Donc bon, je ne sais pas encore si je travaillerai durant les vacances. J'espère au moins. Mais j'aurai déjà un peu plus de temps, beaucoup plus de temps à lui accorder du coup, vu que je serai à la maison. J'y crois. J'ai envie, j'ai de l'ambition avec elle, mais voilà, le travail est beaucoup plus complexe et je n'ai pas l'habitude. Je sais qu'avec Bilbao, certes, ça a été très compliqué, mais grâce à une magnifique complicité avec lui, je suis arrivée à faire pas mal de choses. Gossip, j'ai eu beaucoup de facilité parce que Gossip a été une ponette très gentille, voilà, qui est volontaire. Et là, j'arrive sur Golden, qui est un peu le type de Bilbao, mais encore en plus corsé. Et ça me déstabilise vraiment parce que ça me ramène presque 7 ans en arrière. Donc, ouais, ça fait long quand même. Mais voilà, je sais pas, actuellement je suis un peu à plat avec elle, je suis pas au top. De base je suis très motivée, très ambitieuse, mais là elle est pas méchante, je vous avoue que je l'adore, c'est une ponette magnifique, au fond elle est adorable, parce que des fois ça m'arrive de rester avec mes poneys sans rien faire, je m'assois dans le parc. Et elle vient vers moi en fait, elle reste près de moi et elle veut des papouilles et tout. Donc à ce moment-là, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. Elle veut en donner, mais dès que c'est une question de licole, d'approche et tout, bah ça part en fait. Et c'est très déstabilisant. Mais voilà, après, en soi... Si je me mets à fond, en fait, c'est une question de moi-même, en fait. C'est si je me mets à fond dans le travail, que je ne baisse jamais les bras, que je me remets constamment en question par rapport à ça. Est-ce que j'ai fait, c'était bien? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce qui... Voilà, tout le questionnement qui fait que ça puisse bien se passer avec elle. Et on verra, en fait. Je pense qu'on va commencer à partir des vacances d'avril. Je vais commencer le travail et je pense que fin août, je referai une vidéo afin de vous refaire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, de comment on a avancé et tout. Et voilà, je pense. Et aussi, je voulais aussi préciser, ça va pas plaire parce que du coup, vous êtes beaucoup à vouloir voir le travail avec mes loulous, de comment ça se passe et tout. Cependant, avec Golden, le début du travail, je ne le montrerai pas parce que je sais que lorsque j'ai une caméra
je me concentre beaucoup plus sur les images que je veux montrer et du coup le travail n'est pas fait correctement, n'est pas précis et tout. Donc voilà, le premier travail avec Golden ne sera pas montré. Je préfère vraiment être qu'avec elle en fait, ne pas avoir une caméra à gérer. Et après voilà, je vous ferai régulièrement un récapitulatif des séances, des améliorations et un gros compte-rendu fin août pour vous dire où on en est avec elle. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup vous en savez un peu plus sur ma situation avec Golden. Je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut !